Bon, c'est Terry aujourd'hui, encore sur The Tourist pour l'épisode numéro 5. Donc je suis toujours avec Dax et Léandre. Bonsoir. Salut. Voilà. Donc on a enfin trouvé ce fameux levier. J'ai enfin trouvé. Et t'as trouvé. Voilà. Bon, bah, je te laisse l'honneur de l'activer. Je m'en fous, je l'ai éteint, je l'ai rallumé. C'est moi qui ai fait. Bon, faut qu'on se redirige vers l'arbre. Je vous suis. Non, Léandre, évite le mode où ça te fait aller super vite et tout. Ouais, non, je ne vais pas très vite, moi. Eh, hey, faut dire que c'est de votre faute. Moi, j'avais déjà trouvé. Hein. Allez, hop, on avance. Allez, tout le monde, on avance. Donc, si vous comprenez trop le fil de l'histoire, je vous conseille d'aller voir les précédents épisodes. Donc, vous comprendrez certainement et mieux. Et pensez surtout à mettre des j'aime. C'est normal, quand même. Ouais, ça nous soutient et ça nous aide beaucoup. Et bon, les abonnements aussi, c'est très important. Vous allez sur la chaîne de Monsieur Terry44 et de Dax et Gamero. D-A-X-X-E-T. Voilà. Et la mienne, ça sert à plus rien. Oui, je vous mettrai le lien de leur chaîne dans la description. Je vous fais la sieste. Non. Alors, on entre dans l'arbre, des champignons de partout. Oh bah oui, j'ai des champignons. Ouais. J'ai oh putain, voilà, t'as encore le hockey. Oui. J'ai le. Arrête. Non, je rigole. Non, je sais pas, depuis tout à l'heure je l'ai de toute façon. Il nous suit toujours. Oui. Ah bah ça y est, j'ai pu. Avec ton KO. Waouh. C'est une phase de golem. Waouh. Qu'est-ce qu'on est. Alors. Chambre Dieu des secrets, Harry Potter was here. Si vous observez bien, Dieu vous suit du regard. Ah ouais. Ah ouais. C'est pas mal. Ah ouais. Mais à des moments, il a les yeux qui partent vraiment en coucougnette. Là, ouais, par il a exemple. Un peu les yeux là. Là, il a un œil qui. Alors, ouais. La torche doit être allumée pour faire fonctionner cet interrupteur. Bah, je pense qu'il a. Il y a des panneaux. On va suivre les panneaux, je pense. Moi, je suis. Je vous suis. Belvedere. Heureusement que vous êtes là parce que tout seul, je sais pas si je m'en serais sorti moi dans cette map. Alors, je te signale que nous non plus. Hein. Avez-vous dans votre vie déjà traversé un labyrinthe vertical dans les cheveux d'un dieu ? Hein, d'accord, il faut sûrement arriver là-bas, il doit y avoir quelque chose de l'autre côté et il faut peut-être faire le labyrinthe pour l'activer. Ouais. Arrête avec ton speed. Ouais, j'aime bien courir. Bon, ouais, donc il faut aller où ? Ah, il y a un panneau là-bas, là-haut. Mais on va monter. Il faut y arriver à monter. Bah c'est ça, ouais. C'est qu'il faut trouver comment chacun monter. Chacun se met dans n'importe quel sens, on essaie de trouver pour monter. Hein. Bon. Moi, je monte par les lianes. Mais en même temps... Ouais, c'est pas con ce qu'il fait. J'ai des gros lags encore, là. Suivez-nous aussi sur nos Twitter et sur nos Facebook respectifs. Ah oui, ouais. C'est pas welcome. Nouvelle... J'ai trouvé un truc. J'y vais jamais... Bah moi y a pas une porte. Je suis arrivé à monter. Moi je suis là. Sauf que tu t'es beaucoup plus emmerdé. Je pense que ce n'est pas par là. Ah ouais mais je comprends. Prends les lianes, j'ai trouvé un truc bienvenu. Et on va y aller. Et on va voir ce que ça donne. Ah mais moi aussi j'ai trouvé une entrée. Ah bah c'est bien ça. T'es sûr qu'il y a plus welcome. On va peut-être se rejoindre en fait. Je suis dans une bibliothèque, il y a un levier. Je passe par en tête du... Ouvre le belvédère. Ouvre le belvédère. Et ça ouvert. Et il y a encore. Bah, faut y aller alors vers le der. Ah, il y a une map dedans. Il y a sûrement quelque chose de marqué dessus. On va voir. Alors, là comme ça, non, voilà. Alors, le jour du jugement dernier, une seule chose peut vous sauver. Allumez un cierge derrière l'autel du Sacré-Cœur. Tiens, lis. Ah, ça y est, j'y vais le der. Levier de la commande de la torche. Ah oui, la torche en bas, elle s'est allumée. Okay. Eh ben, on va tous sauter comme des. Même dans l'eau, je me fais. Ouh, failli mourir, moi. Donc j'appuie le bouton et d'accord. Allez, un escalier qui se forme. Je sais pas comment ils ont fait ça. C'est facile. Il y a même de la musique. Ouais. Je sais pas d'où elle vient cette musique. Ok, on peut monter. Et bah là, on est dans la tête du mec. Bah, comme on était tout à l'heure, je pense. Ah non. Du dieu Hérobrine. Non, c'est un chemin. Ah bah, on est ressorti dehors. Ah bah c'est peut-être la sortie. Sortie d'un placard, dressing room. Attends, regardez la... Il y a d'autres choses. Porte checkpoint. Bon, je laisse ouvert. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Où ça, porte checkpoint? Il y a quoi là-haut? Il y a de la bouffe, quelque chose. Ah oui, au fait, t'es censé me rendre mon stuff, Kikoun. Oui, bon, on verra plus tard. Panorama. Léandre Blanchard. Attendez, il y a la... Il faut aller activer la porte là-bas pour le checkpoint.
Passe-moi mon stuff. Pourquoi les héros ne vont-ils jamais aux toilettes? je sais pas pourquoi. À boule les stuff. Hey. Alors, vous êtes parti où là? Vous êtes allé monter en haut. Il me rend mon stuff. Et tiens, une flèche en pas, plus. On voit pas en chose. Je me suis lancé sur moi. Quoi? Quand je t'ai lancé une flèche, elle est revenue sur moi. Lol. Bon, alors on va où? Ah bah, je pense qu'il faut aller là. Attends, on va redescendre. Et y'a rien là, vous êtes sûr quand on active quelque chose? Je sais pas. Bon, bah moi j'y vais. Bon, non. Je vous suis. On va repasser l'église. Par là. L'église, pas trop tôt. Faut peut-être allumer un cimetière à l'église. Oui, c'était marrant, on l'allume comment? Bah je sais pas, mais doit y avoir un truc. Catacombe. Encore un truc. Bon bah on va au catacombe. Ouais, voir. Dieu lui-même bloque l'accès à ce couloir. Pour y accéder, il faut le défier sur son propre terrain au très divin jeu des allumettes qui se trouve oui. À l'entrée de l'église. D'accord, on va jouer avec Dieu. Ah, c'est là-bas. Non, j'ai trouvé le truc, il doit être là-haut. Il y a des blocs de fer et il y a des portes en bois. Ah oui, exact. Ah, il faut sortir. C'est exceptionnel, c'est les amis, ce que nous allons vivre. Puisque, en fait, à cause du bug des passages de version, elles étaient mal mises. Nous allons vivre quelque chose d'exceptionnel, ça, les amis. Nous allons jouer avec Dieu. Le défi de Dieu, ah bah si. Vas-y. Oh, c'est rigolo, tiens. Voilà. Le défi vous du venez jeu des allumettes, trouvez, c'est bon. Bon, on a terre à gagner, hein, parce que on est bien parti là. Alors, bon, les règles. Léandre, bah, on est des demi-dieux. Alors, donc, les règles, c'est écrit où? Là-bas, donc vas-y, Kéris, je te laisse. Ok. Toi, simple mortel, tu penses pouvoir me battre. D'ailleurs, je croyais que Satan avait récupéré toutes les âmes, apparemment. Il en a oublié. Signé Dieu. Règle, chaque joueur à son tour peut allumer une, deux ou trois torches. Faites votre choix lorsque la torche jouée est allumée. Le joueur qui allume la dernière torche gagne. Bon, faut qu'on allume. Qui n'est pas la même... Ah, en fait, on va jouer contre une sorte d'ordinateur. Mais deux. Bon, on va commencer. Bon, bah, deux. Vas-y. Donc, je crois que je connais ce jeu. Mais c'est le jeu des crayons après. Ah oui, ouais, comme il y a dans Fort Boyard. Ouais. Alors je mets combien? Attends. Mets 3 là. 3. Et comme on a gagné. Et comme ça, s'il en met 3, pas Dieu. Sûr. Et ben... Non, mais on a gagné, obligatoire. Ah bah oui. Il en met une ou deux ou n'importe quoi et on a gagné. 3. Vas-y, 3. On a gagné le doigt dans le nez du cul. Mais non, on fait tous un tourbi, lol. Ah ouais, bien joué. Clé des captapompes. Ah, c'est encore un levier. Battez Dieu pour ouvrir cette porte. Ok, on l'a défoncé sa trompe. On a réussi une épreuve du premier coup, quoi. On est vraiment tout. Bon, là, faut redescendre. J'ai un levier. Il y avait quoi dans cette porte, là? Un coffre. Et il y avait quoi dans ce coffre? Un levier pour activer la porte des catacombes. Et les catacombes. Vous êtes où là? Bon, on est redescendu. Bon, bah, moi je saute au-dessus des sièges. Youpi! Bon, à l'architecture, des... Oh, des y a Dieu. Où ça? Bah, où? Ah oui, c'est pas mal fait. Non, c'est pas Dieu, c'est Jésus là. Quand même. Ouais, bon, Jésus. C'est complètement catacombe, con, mais... c'est ici. Bon, bah, Léandre. Voilà! Putain! Bon, alors, où ça nous mène? Je fais exprès. Ça nous est arrivé. Les catacombes, c'était pas dans mon programme. Mais t'as pas encore compris qu'il y avait rien dans ton programme, connard? T'as quoi dans la main? Un diamant. Bah oui, c'est le diamant qu'on avait pété. Ah oui, c'est vrai, quand j'ai fait exploser la TNT et qu'on s'est cassé comme des tarés en arrière. Ouais. Parce que j'avais pas prévu. J'avais pas prévenu. Alors. Ça va exploser. Kim Pearl. On va entrer dans les fameuses catacombes. Il y a de la roche brisée. Ça et fait tout, flipper mais... cet endroit. Moi, j'espère qu'il n'y a pas de pressure place. Ça le fait flipper. Bon, on les verrait parce que là, c'est de la stone. Stone brick. Ouais, on les verrait. Alors, petite annonce. Voyant extra lucide vous dit tout sur votre avenir, pratique aussi exercice, mais des envoûtements. Téléphone, demandez Perka. J'ai une boussole. J'ai perdu les clés de mon appartement du presbytère lors de la dernière soirée. Trans techno des catacombes. Oh putain. Merci de les rapporter si vous les retrouvez, signé Percalas. J'ai une boussole et apparemment elle indique la sortie. Elle me fait se téléporter aussi, mais pour ça c'est J'ai pas du tout compris en fait ce qu'il a demandé là.
Suivez-moi parce qu'apparemment c'est un type la sortie. On t'a perdu là. Il demande à céder en fait. Il est passé par là. Ouais, alors ça doit être par là ici. Bah, heureusement je le vois sur la minimap. Attends, mais moi je les vois pas les joueurs sur la minimap. Ça me les affiche pas. Moi c'est des points bleus. Ouais, j'ai vu sur ta vidéo. Par là, peut-être. Et tu fais comment pour que ça les affiche? Mais c'est avec ces JB mode. Ah d'accord. Ouais ouais, désolé de l'utiliser. Oh mais c'est pas grave, parce que là il y a faut rien trouver de... parce que moi ça me dit que c'est par là. Moi c'est le spawn, ça me dit que c'est la par boussole, là. La boussole, elle t'indique le spawn hein. Ah bah oui, justement. Je sais pas, apparemment il faut trouver. Oh mais on voit que d'elle ici, faut trouver. Ils me disent faut suivre la boussole. Bon, la boussole elle m'indique carrément l'opposé, mais bon. Bah là on sort un peu du lot là. Ah c'est rien. Alors c'est là non? L'autre côté peut-être. Oh là là là. Et on peut regarder sur la map hein, voir où il est le c'est bus. C'est complètement con parce que moi ça m'indique exactement l'autre côté. Et ben on va passer par là. Regarde, on va tout droit maintenant. Non, c'est là que Smith a tenu. On est complètement paumé. On est complètement perdu. Attends-moi. Ah voilà, c'est bon, je vous ai retrouvé. Je sais pas s'ils vont voir grand chose sur les joueurs. On voit plus rien quoi. Oula, j'ai un énorme lag. Ah voilà, c'est bon. Alors. Moi je vous vois plus. C'est pas par là. J'entends quelqu'un qui tire des flèches. Ça doit être un archer. Non, on a enlevé les mots. Ah mince, je voulais faire flipper Terry moi. Ah. T'as bon peur, alors. Hein. Tremble. On est revenu au début. Alors. Bon, la boussole elle m'indique. La boussole indique la sortie. Fais voir la boussole s'il te plaît. Ouais, on va la laisser à Terry cette fois-là. Vu qu'il a le KOS putain. Céleste. Alors. Non, mais ça passe par là. Je l'ai vu quand t'as été par terre, c'est là-bas que ça indique. Ouais, ouais. Bah oui. Et là, boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Faut peut-être faire le contour, truc comme ça. Ouais, et ouais, si on escaladait, ouais. Peut-être que non. Bah, y a pas de sortie si escalader après. Putain, les catapultes de merde. Il y a un truc ici, non, il y a rien. Ah, il avait trouvé quelque chose. En fait, c'est là-bas que ça indique, mais c'est chou parce que ça dit d'un côté, mais ça se trouve, c'est complètement faut toujours aller à ouais. Ah, là, il y a un truc, il y a rien, oui, bah non, bah voilà, et bah faut aller par là. Et eh bah ben non. Putain, non mais. Et mais comment on sort? Faut suivre. Et eh bah ben, faut continuer des moyens, faut faire des détours. Là par là, peut-être que ça va nous faire tourner à gauche. Ouais, faut qu'on suive le mur de. Et eh bah ben, regarde, là ça nous fait tourner à gauche. Après on peut pas tourner à gauche. Faut qu'on suive le mur de gauche. Ouais, vraiment s'y perdre. Mais la porte. Bah, on s'est perdu là. Hein. Non. mais c'est quoi? On c'est full sacré cœur là, c'est dans le sol, c'est. En fait, faut trouver le moyen d'être vraiment de l'autre côté. Ouais, c'est pas là. faut trouver le moyen de tourner à gauche. Ah bon, on peut tourner à gauche là, mais y a rien. Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? On est revenu au début. C'est la misère, nous allons mourir. Ah, on va ici. Dire, je m'y attendais un peu. Mais ça doit être au milieu. Alors ça doit être au milieu de la salle. Prends la boussole. Attends, ouais, bah c'est bon, je l'ai. Mais oh là là, mais c'est quoi ce labyrinthe? Ouais, en fait, faut pas forcément suivre dès le début. Non, ça y est, moi je suis bien là. Moi je suis Terry. Moi je suis en hauteur. On a perdu Léandre. Tant pis. Non, je suis bon, je suis où? Where are you? C'est bon, on arrive. Moi je cherche. Ah, venez là. Elle fait un tournant exceptionnel là, la boussole. Elle tourne à bizarre là. Ici, non. Ah, parce qu'elle était à droite et à gauche, elle est tournée à droite d'un coup en fait. C'était bizarre. Fais voir. Ah, j'ai cru que c'était un zombie, Léandre. Ta gueule. Eh bah oui, c'est peut-être parce qu'il y a le bus là. Juste attendez, je zoome sur la. Je vais voir sur la. Je sais pas ce qui t'est arrivé, mais moi la table elle a pas changé de côté quoi. Bah tant pis. Hein. Garde là. Immense, ce truc. Attendez, je me gratte l'oreille. Ouh là, je me suis. Vous voulez qu'on sorte comment d'ici? Je sais pas.
faut vraiment qu'on trouve comment on sort parce que. Et je suis vers l'entrée. Comme moi. Pour... Je vous ai perdu. Comme pour l'histoire du levier. Ah, c'est bon. Pouf. Qu'est-ce que t'as fait avec il le levier? Il s'est fait disparaître. Non, je suis là. Faudrait se repérer. Peut-être que les champignons ils veulent faire quelque chose. Hein. Ils y sont pour quelque chose, peut-être. Non, peut-être, je pense pas. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a des champignons partout donc. Ah, mais regarde, si tu les suis, peut-être que ça mène à un chemin. Regarde, je sais pas. Autant essayer, hein. Et non. Quand on est un petit peu en haut, on voit mieux la salle. C'est pas tout noir. Hein. C'est vrai. Ouais. Sauf que c'est pas énorme, mais. Ça fait mal aux yeux quand même, tout ce noir. Oh là là, ça défonce les yeux. Bon, sur ce, ça les se gens, on va faire un une toute petite bouton coupure. À tuer. On va faire une toute petite coupure jusqu'à ce qu'on trouve la sortie parce que sinon ça va durer vraiment très longtemps. À tout de suite. Attends, on a enfin trouvé la sortie. Enfin, attends. Léandre a trouvé. On a enfin trouvé cette fameuse sortie. On a bien galéré pour la trouver. Et c'est Léandre qui nous a trouvé la plupart des choses en fait. On va enfin continuer. Et faites attention, il y a du sable qui va tomber. Il y a une clé et il y a un levier. Attention. Oups. Recule-toi, Léandre. je l'ai bien prévenu. Hein. Wow. Ah, c'est pas mal. C'est complètement con, mais c'est pas mal. Ah, on arrive là, il y a des coffres avec des minecarts. J'en prends un, même si j'en ai déjà un. Coucou. Tu veux voir ma bite? Non, j'ai oublié de la personne là. Montez dans le minecart, il y a juste ton ligne de maintenant. Bon, bah. Moi, je l'ai pris. Parti. Je vous emmerde tous et je suis parti avant vous. Mon minecart. Un énorme bug de chun, tu imagines? J'ai tout ma map qui a disparu. Waouh. Tu vois ce que je vois? T'as vu les circuits de redstone? Ouais, là, ça présente. Ça, ils présentent tout là en fait. Je pense. Maintenant, ce redstone, ouais. Ah ouais, ils ont vraiment bien travaillé parce que. Oh punaise, c'est quoi ce truc énorme de la morgue là? Celui qui est derrière moi, c'est Terry ou pas? C'est qui? Ouais. Oh, je suis reparti. Couillonnous. J'ai mis des items sur la voie. Comme ça, vous pouvez pas me suivre. Mais. Non, parce qu'en fait, le qu'il accélérait plus, ça me fait repartir. Vous êtes où? Ah, il y a de la musique là où je suis. Non, putain. Merci. Tu m'as repoussé, merci, sauf que ça sert à rien parce que il faut que j'arrive au truc de redstone. Ah si, c'est bon. Attendez, j'enlève mon minecart et je le remets. Dépêche-toi parce que moi allez, mon minecart à vous. Fonce, speed up cochon. Il y a un trou géant, il y a de l'eau, des couloirs. Oui. J'arrive. Exit. Ce couloir est protégé par la force de l'eau. Voilà. Exit. Non, je sais pas. Si... Machine infernale. Il y a ça là. Bah, on va descendre. Vous êtes sur le bloc Z égale 1. Vous voyez le vide intersidéral. Ouais, trop bien. Les restes de quelle pédaille? Ben voir. Attends, c'est ce que j'ai vu. Des os. On est où là? Un chat putréfié et de la poudre d'os. La poudre d'os. On va tout prendre, hein. La bouffe, elle sert à rien, douce, en fait. Oui, sûr. On va peut-être faire pousser un... On va dans la machine infernale. Ok. La quoi? Attends, Léandre, il est où? Moi, je sais pas, je suis dans un minecart. Ah, il arrive, là, je le vois. Il est pas arrivé? On va le TP. Slash TP, L, K, voilà. Disons que moi, je me mets au milieu de... Il était assis, là, par terre. Mais je suis dans un minecart. Mais punaise, tu me fais... Tu me refais pire. Voilà, c'est pas grave. Attendez, je vais peut-être couper. Run out of memory, 2 secondes. Oui, wow, c'est quoi voilà. Ça? Alors attendez, désolé, oui, petit problème technique, donc on a repris. Donc on arrive à la machine infernale. Donc. Appuie ici pour vérifier si la figure est correcte et patienter 4 secondes. Alors, ce mini-jeu ne pas fonctionner correctement, briser la vitre et uniquement si vous avez reproduit la bonne figure, mais faut pas la briser, mais que le bouton à gauche ne réagit pas. Alors. C'est un truc de secours. Faut faire comme ça là-bas en face. Oh, regardez, gauche. Mais regardez comment c'est bizarre là les noms. Gauche, attends. Il sort du panneau.
Attends, bon, il y a des pistons et il y a des laines en face. Faut faire pareil, je pense. Vous n'allez voir grand chose d'ici. Ok. Le carré jaune, grâce aux touches directionnelles, seul le père Calasque connaît la bonne figure à reproduire. Faut reproduire ça, attends, fais voir. C'est quoi reproduire? Attends, fais voir. Là, wow. Moi, je vois un L rouge. Et il a, j'ai l'impression qu'il en manque une laine. Ah non, c'est le trou pour les faire bouger. Et c'est la figure qu'il faut reproduire? Je sais pas. Bah, justement. Y a pas il y a une autre porte côté. Bon, ouais, mais c'est l'exit. Attends. La machine infernale. Attends, la figure, elle est où? Si, moi, j'y vais, hein. Je suis sorti, hein. Faut pas sortir, faut faire le jeu. On a déjà fait, on a fait quand même pas mal d'épisodes, alors juste pour montrer. Ouais, mais c'est un checkpoint. On peut montrer les. On peut montrer juste ce que ça donne à la fin. Non. Ouais. Ou alors c'est une croix qu'il faut faire, non? Ouais. Pourquoi il y a. On peut descendre là, il y avait quoi? Je sais pas, je te laisse faire, là, je te regarde, Terry. Je suis posé sur mon ordi là, normal. Vous avez une carte à un moment où il y avait quelque chose? Pas du tout. Voir. On regarde toutes les cartes qu'on a. Normalement, t'en as une, Terry. Et toi aussi, t'en as une, Léandre. Moi, oui, j'en ai une. Regarde si ça affiche pas quelque chose. Ah non, moi, j'ai rien. Moi, voyons voir. Moi, ça écrit toujours pareil. Ce mini, le paradisien. Ouais, mais il doit y avoir. Normalement, il doit y avoir une figure, je pense. Bah oui. Quelque part. Ah, j'ai un levier. Ah non, mais il y a une combinaison en fait. Appuyez ici pour vérifier si la figure est correcte. Patientez 4 secondes. Ouais, si ça s'allume pas, c'est que c'est pas. Oui, mais faut. Ouais. Ah, mais si. Attends, s'il te plaît. Vas-y, on se met chacun sur un bloc parce que sinon ça va pas le faire. Et un coup de klaxon. Mais Terry, j'avais appuyé et toi t'as appuyé aussi. Wow, c'est quoi ça? Mais c'est pas du tout quelle figure reproduire en fait. Bah oui, bah. C'est de fuc. J'ai appuyé sur le bouton du haut, ça fait rien. Oh, au pire, on s'en fout. Ouais, parce que il nous donne un modèle. Wow. Un passage ici. Ah, attendez. Bon, bah, désolé de tricher un peu, mais il nous donne aucun modèle, donc on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. Exactement. Alors. Mais ça se trouve, c'est même pas un. En vacances, je préfère plus le sudoku. Ou bien les mots croisés. Les mots croisés. Qui aime les mots croisés? File à bien l'air long ce couloir. J'espère que tout ce que j'endure va servir à quelque chose. Long? Ok, bah il est pas long. Je en ne fait. Vois, je ne vois pas vraiment une simple. Léandre, évite d'utiliser ce mode. Dépose derrière l'hôtel pourrait sauver l'humanité ou je sais quoi. Il ne me semble pas très clair ce Saint Kevin. Du coup, perdu dans mes pensées, j'ai pas vu le temps passer. Et je suis déjà au bout de ce couloir. Bon, mais il y a musique de circonstance. Waouh, c'est quoi cette musique? Ah, je connais. Je connais pas. Le gars, il est vraiment bon avec les notes. Alors, on est à l'intérieur de la salle où il y a le prêtre. Ah, d'accord, on a fait tout ça pour arriver ici. Ouais. Alors qu'on pouvait passer là. Et j'ai étudié à ses disciples, cette map, c'est vraiment trop de la balle. On a une torche de redstone ici. Bah, ah, on peut passer derrière. C'est pour mettre le cierge céleste. C'est ce qu'il faut allumer. Attends, exit. Il faut les mettre ici. Popo, posez un cierge ici, vite. Donnez-moi un cierge. Pousse-toi, pose ton cierge. Sale clergé de merde. Et ça nous a activé quoi? Un siège posé, un quai de métro offert. Eh mais oui, c'est le ticket qu'il faut mettre. Tu te souviens, Terry? Oui, il faut placer un ticket pour aller dans le Nether, je crois. Ah, il y a un coffre là. Oui, c'est celui où il y avait le cierge. Les cierges. Et on vient. Ah là, il y a un truc, il y a une ouverture là, les. Exit. Vérifie d'abord la salle. C'est bon, bon bah on vient. Où ça? Exit. Ah oui, d'accord. Ah oui, je l'avais bon, déjà vu ça. Bon, faut aller dans le métro. Le métro, mais non, mais venez. Métro boulot dodo. Bah exit, c'est là. Bah moi c'est bon, je suis sorti, je suis dehors. Hein. Bon, on va prendre ta sortie. Moi je vais suivre. Moi j'ai pris la sortie de l'église. Attends, moi c'est, je suis déjà au métro. Quoique je suis pas sûr que ce soit le métro. C'est là que t'as eu la frayeur de ta vie, non? Ah non. Non, c'était les chambres. C'est ici là. Ah oui. Oh non, je suis pas ici. C'est pas ici là où je suis. T'y es? Non, on essaye de sortir avec Dax. Ah, moi j'y suis. Je suis sorti. Mais c'est super simple de sortir.
Ah mais on a dû emprunter un long chemin. Oula, je pense. Vous avez dû vous gourer. Ah, ouais, on a dû. Ah bah en j'y fait... suis au métro, j'y suis au truc du métro. Attendez. On refait tout du début bon, en fait. J'attends ça. Et avant d'emprunter le métro, je pense qu'on va arrêter la vidéo parce que ça fait déjà un long moment. Oui, et on reprend. Ouais, mais tu sais, on peut faire plus de 30 minutes de vidéo, donc ça va, ça peut passer. Regardez là. Oui, mais si on leur des épisodes qui font 3 heures, Mais justement, c'est ce qu'ils aiment parce que si on fait des épisodes trop courts et qu'il y en a trop, c'est moins bien. Enfin, je pense. Ouais, après, c'est trop long non plus. Donnez votre avis sur la chaîne de Terry, voilà. Sur cet épisode quand même, et le prochain, on le fera peut-être un peu plus long. Parce qu'il a l'air vachement intéressant. Prochain épisode. On va retrouver Léon au métro. Moi je suis au métro déjà, je vous attends. De toute façon là on a fini hein. Ben je pense, enfin peut-être d'autres trucs. Et où est de mes enfants? Mais regarde, il y a des rails là-haut que j'avais explosé quand on avait regardé la map vite fait qu'elle avait été buggée. Et ça a l'air de tout visiter en fait, ça fait tout visiter la map. Je sais pas, voir. Mais vous êtes où? Bah on a fait carrément le... C'est bon, on voit. Alors le métro. Avec la petite bon bah voilà, on y est et on quitte ici. Bon, on se quitte sur ce magnifique M donc qui symbolise le métro. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à regarder les précédents épisodes et aussi à vous abonner à la chaîne de Léandre et de Dax et à la mienne par la même occasion. Donc je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Allez, salut tout le monde. Pareil pour moi. Allez, bye bye à tous. Merci.